Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombad Media là, là depuis Bombad Police. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou encore avec yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressés, pas oublier abonner avec Bombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombad Media Now là. Et bien, nous pas perdre de temps, n'a pas commencé. Cool, yeah. Président République, Jovenel Moïse, présidait yon conseil ministre extraordinaire dans le palais national sous phénomène insécurité à lundi 15 mars 2021 d'après yon tweet chef l'État a publié lundi 15 mars là. Parmi les équipes prennent dans le conseil ministre Sila, yon décret pour modifier loi sous état d'urgence là, non l'idée pour le conseil supérieur police nationale là, CSPN, plus moyen pour combattre banditisme et criminalité dans le pays. Nous avons toujours été ensemble avec le chef l'État, Jovenel Moïse, dans un tweet qui est publié lundi 15 mars 2021, toujours, qui fait qu'on est les discuter avec le secrétaire général de l'Organisation État américain, Luis Almagro, sur ce qui concernait la sécurité dans le pays. Pendant l'échange, le chef l'État a demandé à l'organisation régionale un support technique pour permettre la police nationale de faire face carrée contre bandits et terroristes. Et puis, en situation, tout le monde dans la société a déploré plusieurs policiers mourir dans une opération. La police nationale a mené dans le village de Dieu vendredi 12 mars 2021. Premier ministre, Joseph Jout, présenté sympathie par les parents victimes pendant l'étape visité l'autre policier blessé dans l'hôpital Bernard Meuse, samedi qui était 13 mars 2021. Jocelyn Pierre a Hervé Pierre, pour plus de détails, dans un reportage. Il y fait une heure après-midi, samedi 13 mars, là, dans un moment cortège, Premier ministre Joseph Jout, arrivé dans l'hôpital Bernard Meuse, là. Objectif, c'est visiter les policiers qui sont blessés pendant l'opération dans le village de Dieu. Après visite, ça, qui dure environ 60 minutes, Premier ministre, là, dirigé dans la base corps spécialisée SWAT team, là. Dans l'idée pour manifester sympathie et solidarité gouvernement et puis rencontrer commandant en chef PNH là, Léon Chol, drapeau pays a monté à moitié dans la base policière yo côté divers parents victimes yo te adonanger vente marée et puis montrer obligation pour récupérer cadavres policiers yo pour capable rendre yo un dernier hommage dans dignité. Sous visage policier, yo, vent colère et déception a soufflé. Après la mort et humiliation frère d'Amio Sibi devant Badi Amé village de Dieu, yo. Premier ministre Joseph Jout déclaré moral li remonté à cause li di li wè gen espoir à travers échange li gagné avec agence SWAT team yo. C'est arrivé dans l'hôpital Bernard Meuse côté mental visiter policier qui blessé yo. Nous avons sympathie pour les familles, les policiers qui sont tombés dans l'opération. Nous avons continué le travail. Merci en pile. Nous avons sympathie encore pour les familles, les policiers qui sont tombés, tout comme les policiers qui sont blessés. Jean-Noël là, nous avons une famille qui est là, une madame, une soeur. C'est dur ça de passer, mais il faut que nous continuions de boumer jusqu'à ce que nous mettions la paix dans le pays. PNH là a continué goumen pourquoi paix insécurité dans le pays a, malgré ça qui passait dans le village de Dieu a, d'après chef conseil supérieur police nationale là premier ministre là profité occasion pour voyer sympathie par les parents policiers qui tombaient yo axi la cap prend soin sous cabane de l'hôpital même rivé matin moralement pas de bon passer ça et la bonne nouvelle c'est que ces policiers qui blessés yo qui avec balle. C'est lui qui a monté moralement et nous sommes en réunion là avec les policiers SWAT. Ils ont encore fait comprendre que tout n'est pas perdu. On a rappelé qu'en SWAT Team qui fondé 8 juillet 1996, c'est unité spécialisée dans le PNH là qui a plus de formation et tactique pour mener opérations difficiles sous terrain.
autorité yo déjà annoncé 3 journées internationales pour rendre hommage à policiers victimes yo sorti lundi pour arriver mercredi 17 mars côté drapeau pays a dû monter à demi. Après poursuivre ensemble avec au commandement police nationale là qui voyait sympathie by famille policiers qui victimes pendant opération qui menait dans village de Dieu jour vendredi 12 mars 2021. Ça arrivait dans le moment policier où il tenté de prendre contrôle village là, côté même gang qui est les 5 secondes à faire la loi. Directeur général PNH là, Léon Charles, by garantie, malgré échec ça, la police subit, la continue goumen pour freiner les actes kidnapping qui tournaient principales ressources économiques bandits qui utilisaient Basila yo pour serrer moun yo kidnappé. N'a invité nous suivre un extrait. Opération hier, c'était une phase décisive dans l'action que nous avons déjà menée contre le phénomène ça. Parce que c'est un côté nous kembe puis fort monde nous kidnappé. Dans l'opération ça, nous avons perdu 4 policiers avec 8 autres blessés. Dans les blessés, 5 déjà sortis de l'hôpital. Et toi, l'autre, dans yo, on est stable. Et nous avons du matériel qui était sur le théâtre d'opération. Commandement a présenté ses patins à la famille pour laisser victimes. Et prend engagement pour accompagner yo comme ça doit. Ce parti commandement a joué tout policier. Et rappelez-vous la nécessité pour renforcer la solidarité. C'est parti tout à tout le monde dans la population qui a soutenu fort la police là et qui est stomaqué pour la publicité qui fait à corps policier. Nous avons fait connaître que la police là n'a pas fait bac. Nous n'avons pas fait bac. Parce que nous avons une mission pour l'accomplir. Il n'a qu'un bel engagement qu'une débrouille, qui c'est protéger et servir la population. Merci pour vos gestes. Un jour après l'opération Village de Zia qui paraît ici, vendredi passé, les policiers n'ont pas campé, ils ont continué de travailler, malgré la peine et la tristesse qui envahit le visage. Lundi 15 mars 2021, Télévision nationale d'Haïti, visite base SWAT team côté policier yo posé plusieurs jets de flèches depuis l'entrée base là et puis les mêmes bougies pour rendre hommage à Fredam yo qui tombé en babal bandit dans village de Dieu. Policier yo utilisé yon table qui décoré avec divers maillots noirs képi agent SWAT habité poté sou yo. N'a toujours été dans le même sujet ça, mais avec président Jovenel Moïse qui dit le regrette Zak Banditis et assassinat qui fait sous plusieurs policiers dans le cadre d'opération la police a mené dans le village de Dieu vendredi 12 mars 2021. Chef l'État a présenté sympathie par parents, familles, amis et collègues victimes. Président Moïse qui fait connaître Haïti, pas de zone interdite, annoncé une disposition qu'a prend pour couper Zak Brigandaï sa yo, garantir sécurité population et puis mettre la patte sous tout bandit cap si men la troublai en dans pays a. On suit. Nous connaissons que jeudi 12 mars, un gros bagage qui passe dans n'importe où pense la police qui a gouverné avec nos moyens que nous avons pour mettre la population en sécurité, pour nous donner la population en bas de griffe, problème bandit. Et malheureusement, nous avons des policiers, des femmes qui sont tombés dans l'opération. Je profite de l'occasion pour nous dire, parents, victimes, maman, papa, madame, cousins, cousines, que quand on est là, je me sens douloureux avec eux. Parce que ce n'est pas ça
que nous avons souhaité pour le pays, héritage que nous avons besoin aujourd'hui, son héritage bandit. 35 ans après, le pays a entré dans l'ère démocratique. C'est une production de bandits. C'est une pire de production que zone métropolitaine de Mumbai. Et pourtant, ça n'a pas arrêté comme ça. Parce que nous pas qu'à chaque jour nous crier les policiers nous forme sur mon position. Quel que soit ça nous dit sous la radio, je vous aime tous. Je vous adore. Ça va changer. Parce que nous connaissons le pays, les besoins nous. Parce que tout le monde dit ça, qu'a tué les policiers. C'est pour nous d'accord que nous n'avons pas de responsabilité là-dedans. Parce que nous avons une contre. Mais si nous avons mis tête ensemble, nous avons tout vacabon dans le pays en déroute. Nous avons mis vacabon en pile. Nous avons vacabon qui n'a pas alimenté, nous n'avons pas l'argent, c'est vacabon. Nous avons vacabon qui est habillé, qui a mis le monde dans la machine vite, dans le bandit dans la machine vite teintée, c'est vacabon. Nous avons vacabon qui a acheté des âmes à balle dans le pays étranger pour vous ici, c'est vacabon. Et puis plus de vacabon qui a tiré. Vacabon avec sa patio. Et, m'a dit nous ça, il y a même tout qui est dans une situation ça, je dis à eux en contravention avec la loi, c'est des victimes. Mais en contravention avec la loi, parce que vous tuez les policiers, parce que vous bouillez les machines policiers, parce que vous kidnappez les gens, il faut la loi, il y a une réponse proportionnelle à ça. Mais pas oublier, c'est des victimes. On ne peut pas battre 10 ans, 15 ans pour ne pas gagner mon gens encore. Nous n'avons pas compris combien nous avons. Qui est arrivé, docteur, ingénieur, agronome, ça vous voulez. Son pays que nous construisons. J'en ai parce que il y a des gens qui n'ont pas de courage. Il y a trois personnes qui n'ont pas de courage dans le pays. Ou même qui cachent les réveils, ou sont trop autour. Suspendez votre message, complètement. Mais pas une besoin qu'on y a. Vous me parlez tout. Vous me dites ça fait mal là. Nous tout mentir à le parfum. Est-ce que nous sommes courants dans le pays où son mari qui a mal, qui fait que l'aide a subi 5 attaques dans 5 mois? Est-ce que construire route dans le pays où son mari qui n'est pas bon? Est-ce que construire barrage irrigation dans le pays où son mari qui n'est pas bon? Est-ce que pomper de l'eau avec soleil son mari qui n'est pas bon? Construire l'école dans le pays où son mari qui n'est pas bon? Est-ce que nous demandons de nous tout de suite ensemble de nous laisser la sortie pays à nous saluer? Est-ce que ça n'est pas bon? Majorité silencieuse est arrivée. Et monsieur, dans le village de Dieu, m'a dit nous ça, pour me finir. Rangez comme nous. La prière sur nous. Si nous conseillons comme nous, cherchons gens. Mettez bas les âmes. Parce que quel que soit gens, la prière sur nous. Parce que le pays a un bon président, pas j'en peur. Et qui pas lâche. Et qui donne tout le courage. La police, l'armée d'Haïti, qu'on aime bien nous. Nous connaissons bien les réunions qu'on fait actuellement. Les stratégies qu'on mette, va mettre nous en déroute. Pas de droit de mettre carré dans le pays qui sont hommes de nos droits. Côté l'État, pas qu'on entre là. Ça veut dire, monsieur, dis-nous ça. À tout ça, n'a pas fait, là, nous perdu déjà. Nous avons perdu. C'est sur le livre. Effectif conférence d'abord, présenter sympathie moi, et condoléances moi, à la famille policiers qui sont victimes en bas de ça nous est terroristes par nous, terroristes locaux, terroristes la caille nous, bandits armés. Que nous connaissons comment la situation est extrêmement difficile pour la famille. Nous présenter condoléances nous, à toute famille policière et à l'institution policière. Ça fait nous rencontrer la presse d'abord pour nous dire avec M. Jude Joseph. Gagnons la go caché qu'a fait. Gagnons monter descendre. Et on soi-disant dit l'aide d'émission, je ne sais pas quoi je dis,
monsieur Jout a tant pour demander la démission, mais la morale demande pour lui-même lui remettre démission par le président, pour le président lui-même capable, en mesure, de jouer un collaborateur, collaborer avec. Et ça que fait, moi, je te dis ça, nous rappelons-nous dans la dernière conférence que nous avons fait. Moi, je te dis, monsieur Jout, à travers plusieurs rencontres alliés, partisans, les gens qui travaillent avec eux, il te dit, si je venais le contraire de démissionner, l'élève de démissionner, elle a quitté une cigarette dans deux têtes. Non, mais président Jovenel, c'est moi qui te dis, ça a gagné environ deux mois depuis que j'ai fait déclaration ça. Et nous regardons tout mouvement qu'a fait là, voyez les gens, voyez les policiers dans le village de Dieu, sans prendre les dispositions nécessaires, puis si on entre puis on sorti, c'est des manœuvres politiques. Je voulais nous comprendre et je voulais payer à comprendre ça. Dans tous les pays du monde, un premier ministre dans une situation comme ça, tout le monde qui te fait chaîne de planification, opération ça, eh bien, de fait, il n'y a pas même temps que la société a demandé pour démissionner, mais la moralité, l'arrivée dans une situation ou incompétent, ou incapable, ou un choix, ou faire ou faire ça relais, ou tirer la référence. Je me rappelle le premier ministre Jout te dit un bagaille. Et lorsque il a voué Lik Mandeli, il te dit, moi-même comme premier ministre, depuis mon poste, je suis ingénieur, si je fais un bagage, je fais le bien. Et depuis que je ne fais pas, je quitte ça. Je dis à l'éclair, le premier ministre doit être bémol. Monsieur Jout, il est incapable, il est incompétent. Et ambition pouvoir faire, même lorsqu'il a joué le monde métavel, il vient pas cap émettre. Et le président Jovenel, pour l'organiser le référendum à quelle élection, avec M. Jout, il n'est pas capable. Pour qui ça? Parce que pour ensemble de secteurs qui sont dans le Sénat, qui ont un intérêt, qui n'est pas d'accord pour le référendum dans la fête. Et c'est sous base ça, il y a un contrôle institution police, il y a un contrôle ensemble d'institutions, et bien il y a utilisé propre institution contre le président Jovenel. Je dis à président Jovenel à goumer avec l'État. C'est l'État qui en face président Jovenel par rapport à la route la prend. Ce n'est pas des trois mouns, des bandits. Non, actuellement, pendant que je parle avec moi, c'est des mouns même qui sont dans l'État, qui ont concocté des complots par rapport avec les gens qui ont des intérêts dans le système. On est qui sénateur de la République, coûte nous 165 000 dollars par mois. Alors que les sénateurs n'ont pas de compétences. Tout le monde, tout le rapport dit, dans 30 sénateurs, il y en a 19. C'est des repris de justice, cas de jacquet, volet, assassin. Je dis à l'effet que un référendum pour retirer le Sénat, ça veut dire tout qui tape vivre des Sénats, ils sont tous net rentrés dans l'État pour mettre le président Jovenel en déroute. Et c'est ça qui explique, je dis à nous, une manœuvre qu'a fait là. En aucun cas, yon commando soit, commando Kalpen Oussama Ben Laden, côté LTE en Afghanistan, c'était 12 nègres. En aucun cas, yon commando, soit pas loin, qui a training, qui a structure, qui a formation, qui a stratégie, si ce n'est pas un bagage, yon prend, yon planifié pour yon, nèg yon pas tap 4 ou 2 là pour yon sorti, pour nèg yon mourir, j'ai yon mourir. Son façon pour yon rendre institution police là, puisque yon bataille kap mené là, yon rendre côté institution police là, ap supporte président Jovenel, n'a pas quitté nèg yon fait des choukai, n'a pas quitté yon brûlé, n'a pas quitté yon krasé, eh bien yon dit, faut yon krasé la police là, nan men président Jovenel, et depuis yon krasé la police là, nan men président Jovenel, eh bien Jovenel pap kakembe, li pap ka faire référendum pour la faire élection. Voilà la situation qu'il a. Et nous même matin, moi lancé yon vibrant appel. À pays, femmes et garçons. Moi, j'entendais notre radio, qui était Aristide, ancien président Jean-Baptiste Aristide, parler tout sur la question bandit. Alors, ce que tout le monde connaît, Jean-Baptiste Aristide, c'est papa bandit. C'est ça, Aristide, qui a planté, aujourd'hui, on a récolté. Aristide pas qu'à faire nous comprendre que je dis lorsque tout le monde te connaît comment l'armée rouge, l'armée Tikuto, l'armée Djedoumen, l'armée Badad, l'armée Barricade, l'armée Mildred Douyo, l'armée Aristide, comment ils ont tout prennent naissance. Et puis je dis par rapport à faiblesse l'État,
qui pas prend les dispositions nécessaires pour te rétablir, pour te racher plante ça qui a ici TCM dans tout pays là, c'est yo qui vient à grandir. L'autre petit monde 11 12 ans 13 ans 14 ans ou te retirer l'école ou rentrer yo te dans la famille c'est la vie ou rentrer dans ça les chimères ou mettre zam nan meyo là ou gen 15 20 ans 30 ans yo déjà pour moi yo déjà pourri avec question l'argent yo pas qu'à l'autre bagaille que zengendo que grand bandit. Eh bien jodi a moi vinn demander nous peuple haïtien, nous tous militaires combattants citoyens, ça cap quitte là, ça cap cococté là, c'est pas contre président Jovenel seulement, mais c'est contre pays là, c'est contre la patrie, c'est contre maman nous, c'est contre papa nous, c'est contre frère nous. Policiers dans tous les pays du monde, les yon policiers victimes, ils ont entré dans la base, ils ont renforcé moralement, ils ont vengé, ils ont mis l'autre côté. C'est toi la police, c'est vrai nous victimes. Au contraire, quatre policiers ça a mouru, quatre policiers ça a assassiné lâchement. Doit tourner sérum, doit tourner gasoline, doit tourner cartouche, doit tourner munitions pour renforcer reste policiers crétéo pour marcher mettre l'ordre dans tout ghetto ça yo, parce que comprenez bien ça qui a passé dans ghetto yo. Moi retinou encore, c'est pas des monde qui ont des problèmes sociaux seulement. Social là li 20-30%, mais 60 à 70% c'est des mais politiques cap maningasse yo qui sont capables empêcher yon pouvoir atteindre un objectif qui a un caractère attaquant système. Je finis pour me dire encore, peuple haïtien, je dis appliquer jamais. C'est pour nous camper sous deux pieds fermes, nous, pour nous répondre. Ça qu'a planifié, ça qu'a planifié, ça nous est assez pour qu'on bagaille là ça. Ça ou est qu'a concocté assez pour qu'on bagaille là ça. Tout militant ou même qui s'est allié, partisan, c'est partisan PHTK. Ou même qui croit dans la droiture, ou même qui croit dans la vérité. Ça qu'a fait dans une série de stations de médias, ce n'est pas vrai. C'est des intérêts purement oligarchiques qui ont défendu. Et c'est ça qui fait, ils ont fait tout ça au capable de gagner le monde, ils ont politiquement, parce que le message par nous, ils ont parlé dans le sens. Je finis pour me dire, nous l'autre fois encore, la police nationale, où c'est unique institution, dans la bataille, ils ont perdu un soldat. Ou pas perdu la guerre. L'on perdu un soldat, ou pas perdu le combat. L'on perdu un soldat, c'est renforcer ou renforcer. On ne peut pas comprendre comment pour des policiers, soit dit la première uniforme, la démissionner. Non! Au contraire, je dis à. Vous ne pouvez pas dire. Nous pas besoin de trois autres barbecues. Nous sommes d'accord avec vous? Parce que barbecue, c'est dans ça barbecue que tu prends un gravine. Nous tendons, nous avons entendu caprelé aujourd'hui pour les policiers. C'est Lougaou qui a mangé petit nous. Premier monde qui n'est pas venu, c'est Lougaou. Nous tendons Pierre Espérance. Moi, je dis pour Pierre Espérance. Son discours fait pour justifier ce qui est passé la saline dans le village de Dieu. En comprenant la police a voué gaz, qu'on n'a pas empêché les gens de manifester. Eh bien, c'est pour qu'on y a un policier tourné à l'Algérie. Ça veut dire c'est pour la police. Elle l'a boulé pour une façon pour être capable de une sympathie peuple là. La police, là, on ne peut pas chercher sympathie parce que c'est une force qu'il a pour rétablir l'autorité de l'État, pour mettre l'ordre, pour non des ordres. Ça veut dire, moi, je demande encore, monsieur Swat, BLTS, BRI, il y a assez d'unités. Police qui l'a qu'à mettre l'ordre dans ça. Mes amis, il n'est pas normal. Pour nous gagner blindé, je ne pas dire chat. Pour nous blindé dans mes bandits. Et puis pas des opérations musclées très pour récupérer les blindés. Avait dit, je ne suis pas capable. État-major de la police, pas capable. C'est pour démissionner pour que des gens qui ont fait appel à des hommes et des femmes qui ont des compétences, qui ont des structures, des gens là. Parce que moi, je songe, les Ligue de l'île, tu as préparé pour l'envahir. Village de Dieu. C'est pas tout ça qui a rentré. Ça le fait qui fait mouvement échoué. Nous réunis, les pan réunis avec toute organisation d'Oisimé. Pierre Espérance, Marionel G, tout le monde ça. C'est yon qui dit les pan mais pour faire. Mais ça n'a fait. Mais ça n'a fait. Mais ça n'a fait. Mais ça n'a fait. Les pan réunis avec d'Oisimé d'abord. Et puis yon prend ça, les pan dit, le faire, yon prend la rue. Yon dit, mais les pan a planifié pour la touiller mon dans le village. Alors ce que. Ça fait lui pendant d'inviter son façon pour Douazimien te gagner mot parle pour démontrer Douazimien que ça va arrêter. C'est que tu as 300 militaires, anciens militaires qui fait infanterie, qui fait corridor, qui fait tactique, qui va rentrer dans le village. Et si demain matin président Jovenel Moïse fait appel à 300 militaires n'a pas rentrer dans le village.
et n'a pas arrêté bandia n'a prend Emmanuel n'a prend sinon pas les isolants. Miso li bien avec premier ministre, il y a une bonne relation, c'est normal. Mais si je dis à président Jovenel Moïse, fait appel à 300 cocobéo et les militaires démobilisés, il apprend 30 dans le village, et c'est yo dim di ça. Plateau central militaire, si l'État fait appel avec yo, événement y a créé comme si mit village de Dieu, bandit pas qu'à mit, faut que l'État intervienne. Et c'est ça que me dit tout le monde. Gardez sans femme. La police cherche moyen, cherche alliance, cherche. Moun pa besoin de connaître comment la police rentre dans le village. Moun pa besoin de connaître qui est capable avec la police. Cependant, problème grave, problème village là, il faut qu'il résoudre. Et question sans policiers qui coulent là, faut qu'il y ait un compte. Monsieur, dame, dans tout le pays du monde, dans une bataille, il y a des soldats qui mourent, il y a des droits à cadavres de soldats. Nous avons droit, l'État a droit à cadavre policier qui mourir. En dedans, bandit n'a pas qu'à décider lui-même pour l'enterrer. Moun yo. Et puis, je dis à Premier ministre en fonction, directeur général en fonction, ministre justice en fonction, ministre. Non! Il faut une explication, il faut une opération qui mène pour nous connaître cadavre policier nous yo, comment nous avons. C'est peut-être ça matin, hein, nous baillons conférence hein, pour nous dire. Tout policier, c'est pas le moment, moi des mouns qui ont calonné la police, qui ont tiré coup de roche, tiré coup de monotov, battre policier, je dis à ces octalaries qui proposent, avec dit c'est des loups-garous qui finissent manger petit tout, et puis ils même encore, ils prennent place crio. Ils ont même quitté crié à nous même. Ils ont fini manger petit, ils prennent même bon doigt pour me crier, ils prennent place pour crier. Avec dit, moi pense, police, ça c'est police, nous tout qui là, faut que nous-mêmes, dans les médias ou dans la radio, nous gonjons, nous montrer policiers. Ce n'est pas parce qu'on perd un soldat, ou perd un agent, deux agents, trois agents, et puis pour bailler bandit les gains. Bon, c'est objectif là, c'est à chercher confiance population. Hein, parce que confiance population, hein, la police a besoin, c'est quand ils entendent, ils rentrent dans la ville, ils rentrent dans le village, ils rentrent dans toute base côté qui gagne gang, qui prend pays en otage, à partir de là, la population prend confiance dans la police là. Mais ce n'est pas la guerre uniformataire et puis à crier, à réjouir. Non, ce n'est pas la meilleure stratégie. La meilleure stratégie, ou perdre une bataille, ou pas perdre la guerre, c'est à retourner, rentrer dans la base, renforcer, et puis pour nous joindre une solution à la situation de sécurité que le pays a fait. Moi, par contre, qui Jean opération que la police t'a pas fait dans le village de Dua, t'es organisé, t'es planifié. Et donc, je ne vais pas commenter cette opération. Ce qui est important pour nous connaître que qui genre opération est organisée, comment elle était planifiée et qui sa objectif là, et qui moyen qui était déployé pour atteindre l'objectif là. Bien, ça a été dans le monde là, plusieurs écoles de sécurité nationale. Moi-même, dans la recherche que je fais et dans ça je fais partie de l'école de sécurité nationale qui dit comme ça que l'on fait une opération militaire ou policière pour employer une stratégie qui est choquante. Elle dit que si l'ennemi a 200 soldats ou même on vient à 2000 soldats, elle dit que on vient avec tellement capacité et tellement force et tellement puissance de feu, quelle que soit la stratégie l'ennemi a fait, ou a déprimé quand même. Et moi-même, c'est dans l'école politique, dans l'école de sécurité nationale, ça a été bien. Dans l'analyse de ce qui passe dans le village de Dieu, à côté des policiers qui tombaient, action que nous avons posée aujourd'hui en 2021, il va gagner en 2030, 2040 et 2050. Même Jean Sanab vive aujourd'hui, c'est pour bail fontané que lié. C'est action que nous déposé en 95, en 2010, en 2015, c'est l'INA pour aujourd'hui en matière d'insécurité. Et c'est pour ça, quand il s'agit de la sécurité nationale, ou un problème de sécurité nationale, il faut faire diagnostic là bien pour que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, la situation ne va pas venir plus mal. Situation d'insécurité que nous vivons aujourd'hui, à nous expliquer ça à l'auditeur, ma reprendre ni, c'est 5 étapes qui mettent nous là, en 15 ans. En 15 ans, 20 ans, nous crasons l'armée en 95, nous créons une vie de sécurité. Nous venons, les gens qui sont dans l'État, nous montons une série de groupes. L'armée rate, l'armée qui manchette, l'armée rouge, l'armée cannibale, dominant, pour aller rouser. Nous venons créer un ensemble de chefs de gang. Et la bannière, Gofefe,
et 26 couteaux, Ronald Kadav, Franco Camille, et Roland François, et tout chef de gang ça a été des soldats en bas, qui ont gagné entre 8 et 15 ans, en 1995. Je vous dis à soldats ça a gagné entre 35 et 55 ans. Et c'est où chef gang, il y a, avec la première évolution gang. Vous voyez, il y a une deuxième évolution gang, côté que c'est bourgeois qui a rentré là-dedans, même. Bourgeois, il y a le chef de gang. Clifford Brandt, Dimitri Vob, et Reginald Boulos, etc. Vous voyez, il y a une troisième évolution, côté que des policiers qui ont évoqué dans la police par le monté gang, PMH, policiers mafia haïtien, qui connectaient avec ça, les sécurités parlementaires, ça a son groupe de gangueliers. Ouais. Nous comptons qui sénateur, et qui député, qui te conduit l'habitude touye, moun rache, moun qui chef de gang Grand Ravine. Ça est troisième évolution. Quatrième évolution, ou alguien ça a les créations Fantôme 509. Et c'est nèg qui fait partie de la famille politique de René Préval qui crée Fantôme 509 là. Et puis, après ça, on a l'autre évolution qui c'est G9, et Audeman Savien, 400 Maozo, Silapli, Iso. Et puis, on va avoir une sixième évolution qui était là déjà, mais qui évolue. C'est ça, les chefs de cartel de la drogue. Et j'avais dit qu'ils étaient représentés cartel cocaïne Cali, cartel cocaïne Bogota, cartel cocaïne Venezuela. Gen là-dedans, yo, que la justice américaine t'a arrêté, jugé, condamné, yo retourné sous terrain, yo rebâti réseau yo encore. C'est ancien chef de cartel yo, et puis gen nouveau chef de cartel yo. Donc c'est ça que spaghetti insécurité a. Gang yo fait partie de spaghetti insécurité a. Bien entendu, et par exemple, moi-même c'est qu'on s'amie, pour tout samedi, m'baye preuve. Par exemple, n'est qui n'a G9 yo, barbecue. Vous besoin qu'on qui est cap financer li, mettez des vidéos à vous sous compte Twitter moi au bas stand Delita 01 ou bien à commercial stand Delita 01 ou sur Facebook. Les gens qui n'ont secteur privé Reginald Boulos qui compte pour une motocyclette Bali, qui compte voir qui ça s'abale. Les ballons de Yuri Latoti qui compte voir The Bali, qui compte voir Cop Bali, les bons détails. Donc ça veut dire que l'opposé problème sécurité nationale ça, ou bien ça a relé diagnostic là, de ensemble problème avec différents gangs qui existaient. Pour y a ces stratégies. En matière de stratégie pour faire face à problème sécurité nationale là, élément numéro un dans l'État qui est responsable sécurité nationale pays, c'est le premier ministre. C'est lui-même qui peut coordonner sa ministère de la Défense et l'armée à fait. C'est lui-même qui peut coordonner sa ministère de la Justice à la police à fait. C'est lui-même qui peut coordonner qui sa intelligence là. Première question qu'on va le poser matin. Les policiers ont mouru, est-ce que le premier ministre depuis un an fait travail? Et pas moi qui vais répondre. Mais son question pour poser, les grands problèmes de sécurité nationale qui posent. Est-ce que une stratégie intégrée pour permettre de faire face à danger ça, qui sont menaces pour l'État et qui sont menaces pour le peuple là, qui vient sans cap couler, qui vient petit cap kidnapper? Donc pour moi-même, c'est la première réponse peut-être à se poser là matin. Et c'est quel est qui diagnostic qui fait dans l'État comme gang yo, en termes de menace de sécurité nationale, quelle est la stratégie, quelles sont les composantes de cette stratégie? Je ne peux pas commenter sur l'opération, hein, parce que je ne sais pas combien de policiers qui étaient là-dedans, est-ce que l'armée était présente, et comment elle est organisée, comment elle est planifiée, et qui est l'autorité civile. Il ne faut pas oublier que c'est dans la démocratie que nous y sommes. Et quelle que soit opération militaire, ou bien opération policière qui va le faire là, il faut que l'autorité civile qui est responsable, yo, en fonction de présentation que commandement l'armée ou bien commandement la police fait, faut autorité civile approuver ou rejeter. Koulia, et comment l'opération ça a été faite, qui détaille, comment elle est organisée, comment elle est planifiée, par contre. Mais en général, l'opération non opération contre une série de gangs qui habitue à kidnapper le monde, qui habitue à tuer le monde, qui habitue à un paquet d'activités criminelles. Donc, premier bail qu'on fait, c'est ça, en anglais, on assessment, on évaluation de qui sa gang ça a représenté. On dit qu'il y a 200, 250, 300 mounes, et puis mounes qui sous côté lieu en matière de réseau social, on dit 200 mounes. On met 500. Vous décidez au bal des gangs ça. Faut qu'on 1500 et 2000 policiers qui vous là. Est-ce que l'opération, c'est l'opération la police seulement, pas qu'on est? Est-ce que c'est une opération conjointe entre la police et la même, pas qu'on est? Et donc, bagaille ça, je ne vais pas commenter sur eux vraiment, mais dans la philosophie moderne de la guerre, l'op mène une opération policière ou mène une opération militaire et faut que vous venez à 4 ou 5 fois force qui en face. Et son façon pour plat tout ça qui est en face. Et pas gagner rien. Mais en même temps, tout, ça c'est
planification opération purement militaire ou policière là. Mais ou gen ça relait la gestion des collatéraux. Gestion collatérale là veut dire et par exemple nèg ki nan droits humains k'a protéger gang et nèg ki nan secteur privé k'a protéger gang et nèg ki nan ça me relait radio man ba relé aux journalistes et k'a protéger gang. Et faut qu'on dise j'en bouger les collatéraux et tout. Et en même temps tout, l'op goumen contre gang, ou bien l'op goumen contre terroriste, stratégie moderne, faut couper tête yon avant. Par exemple, les États-Unis, les casserins, chef ISIS là, qui c'est Al-Baghdad, les casserins, Qassem Soleimani, général iranien qui tape voué et tout, les soldats américains tout le temps. Là, le prend tête là. Nous même dans le pays, nous, tête gang yo. Pour ça, nous avons dit rien sous yo. Américains, les balles cassent terroristes, les balles cassent gang, tête là, qu'ils coupent en vent. Ou elles coupent tête Al-Baghdad, et bien elles s'écrasent. Les coupent tête Qassem Soleimani. Depuis les ça, le réseau iranien, c'est contre les soldats américains campés. Après ça, ils ont démonté les bases. Nous-mêmes, stratégie pas nous. Et tête, est-ce que nous freeze compte en banque? Nous avons bloqué tout compte en banque moun qui a financé gang. Yo. Et les armes qui ont dans le pays via la douane. Comment nous allons asphyxier à travers frontières, à travers douaniers, Zamgabandri. Et Koulia, zone d'influence gang, comment pour asphyxier? Et qui stratégie entre la police de façon permanente et toute structure l'État qui a joué pour asphyxier? Et puis, là, ça, phase finale là, qui s'est attaque directe là. Avec force, overwhelming force. Avec dit que vous tellement utilisez force, pas de moyens pour vous camper en face. Même, et premier ministre, pourquoi je me présente stratégie ça? Et lui, seulement l'État qui a une autorité pour faire ça. Baron qui sa stratégie aille. L'autre point dans le journal, ça, il y a un directeur cabinet ministre éducation nationale à formation professionnelle, professeur Jackson Pléto, qui portait explication sous incident 3 mars 2021, côté l'été subi attaque, comme quoi l'État impliqué dans un kidnapping. D'après professeur, jusqu'à présent, il peut déterminer raison qui te fait yo attaquer machine li à cause d'après ça le dit pas de jambe, li pas de jambe impliqué dans acte comme ça. Jackson Pléto dit li important pour direction centrale police judiciaire avec la justice faire lumière sous dossier si là. On suit un extrait. M'a sorti la caille moi. La rue 2 dans numéro 12 que tout le monde connaît m'habite dans quartier. Et on prend direction avenue Christophe. Alors pour monde qui pas connaît rue 2, son rue qui perpendiculaire à avenue Christophe. Et côté m'a sorti pour m'river soit avenue Christophe, c'est à peu près 60 mètres. Les m'river sous carrefour là, on camper pour me garder si pas une machine qui venir avant m'a aborder carrefour. Et me garder à gauche, pas une machine et à droite, mon machine police qui venir et venir venir croiser devant. Il bloquait les machines presque collées avec moi dans le camp. Sans ne pas poser aucune question, il a vidé des armes sur la machine. Et par contre, vite, beaucoup de gens descendent. Alors l'autre vite est monté, mais vite, beaucoup de chauffeurs, moi-même qui t'ai conduit, ils te descendent. Il a vidé des armes, les armes ont tombé dans la machine. Au moment de la durée, je me dis, bon Dieu, je ne peux pas mourir dans la machine, je descends quand même. Je me décide de glisser. Alors, il a même côté. Policier a tiré à quoi même sauté dans bon panne. M'ouvre légèrement, me glisser descend à terre et me courir à 25 mètres que me courir me tomber font chute. Entre-temps, tes grandes machines qui parquent, une petite machine rouge qui parquent dans zone rue de là, me coucher devant. Et en même temps, à quelques secondes près, il y a un voisin qui t'a gardé la barrière la caille. Maintenant, il ouvrit légèrement. Il fait un signe, il courait entre la caille. Et l'aime entre la caille, il dit, ah, quand il est en son cas en bois, alors voisin Henri Lissergo, que tout le monde a ouais, consulté, il est en rue 2. Il dit, quand il n'y a pas de trop sécurité son cas en bois, plutôt traverser, la femme traverser dans l'autre caille. Les mêmes caille ça, barrière le bail sur rue 3. Évidemment, monter au mur, traverser dans la caille ça. Et c'est de là, à côté de la caille, je fais contact, je relais. Et chef sécurité ministère, me dit, ah, mon grand danger, permettre la police vraiment de sauver mon demi. C'est ainsi que l'idim, il fait contact avec la police, il relève quelques minutes après pour le dire, il parlait avec deux hauts gradés dans le policier et il a vu une côté ou l'autre moment. Et 20 minutes après, évidemment, le commissaire Ménard relève, il dit, il a vu une potée secours.
Et pendant que l'épidémie, après le commissaire a dit, après quelques minutes, nous finissons de parler, il dit maintenant, mais l'enquête. Nous dit, est-ce que je suis sorti? Il dit, pourquoi tu as fini d'arranger les choses? Évidemment, quelques temps après encore, il dit, je suis sorti. Et je parais devant, quand je suis rentré, je fais le signe de la main, je dis, mais écoutez bien. Il descend avec une machine police qui gagne 5 policiers là-dedans. Il y en a conduit, il y en a bas côté, il y en a sous-côté, moi-même, la machine là. Et on l'autre policier. Mais comme qu'on y a là, la machine n'a pas 5 qui viennent réduire à 4 parce qu'il y a un 6 000 l'ordre à policier ça pour la première machine maintenant pour le conduire vers les CPJ. Évidemment, il y a 2 policiers pour la machine maintenant. Ils conduisent. Moi-même, j'étais avec 4 policiers dans la machine là. Et on l'autre backup qui accompagne. Nous, 3 machines. Machine là-dedans prend devant. Machine maintenant que le policier a conduit, il est en mi-temps. Et machine, on l'autre machine policier accompagne dans la DPCJ. Et l'en rivé pendant la machine. C'est là qu'on va expliquer aux policiers là. Et il y a un policier qui répond, il dit, oui, il va descendre. Mais par contre, je ne vais pas représenter une menace pour lui. Il ne va pas gagner la même et il n'est pas occupé. Maintenant, le niveau de la DCPJ, il fait déclaration. Je dis là, il prend note, il fait une déclaration MCN. Maintenant, il a passé combien de temps m'attendre chef de DCPJ a dit qu'il y a une réunion qui coûte que j'aime venir. Et l'aile est venu, bon après ça, il a changé avec elle vers les 8h du soir. Il dit que, bon, comme seule question à poser, il dit qui côté mon, qui côté ma travail, qui l'âge moi. Évidemment, je ne détaille ça parce que même pour moi, je tape tant de travail, je dis qui sa policier a dit, il a reproché. Maintenant, après montrer la carrière, et jusqu'à présent, je m'estime que mon grande insécurité est demandé aujourd'hui à justice pays pour faire lumière sur le drame ça. Selon la loi, seulement monde qui a une licence de bureau de change t'a supposé autorisé pour vendre dollars, acheter dollars. Alors que dans la réalité, tout le monde qu'on vend, tout le monde qu'on achète. Et étant donné que bien sont bien qui là, donc chaque monde qui a une chance pour le vendre, il demande n'importe qui prix. Et les gens qui n'ont pas acheté, pas qu'à jeune facile, presque d'accord payer à n'importe qui prix. Si la loi dit qu'il faut qu'on ait une licence de bureau de change pour qu'on fait de pour qu'on vende dollars. Mais si il y a des gens qui vendent qui n'ont pas de bureau, est-ce que BHK a arrêté? Il a arrêté. À ce moment-là, nous venons dans la question de la justice. Au exemple, c'est maintenant. Qui contrôle BHK gagné sous des ONG qui reçoivent un pile de dollars, qui eux-mêmes ont utilisé le canal informel pour vendre? Question de la emploi beaucoup plus large que l'autorité monétaire. Pour moi, ils sont question de justice, ils sont question de politique économique de manière générale. Pour moi, ils sont question de politique publique même pour aborder la question, hein, pour qu'on ait dans quel sens tout paramètre pris en compte pour garder la question. Bon, l'autre élément qui est important, c'est la question de finances publiques. Ça veut dire que tout autant que on ne peut pas arriver à mettre l'ordre dans la finance publique, pour que le budget de l'État, recette soit capable suffisant pour couvrir des dépenses, on va toujours entrer dans la dynamique, prêter comme dans BRH. Et chaque fois que BRH a prêté l'État haïtien l'argent en good, il augmente des équilibres. Parce que la valeur de monnaie par rapport à l'autre monnaie, c'est qui quantité dans chaque cap circulé dans la même période. L'État haïtien, l'AZE, il boule les recettes, déjà prêté 31 milliards de gouttes dans le même BRH. Mais il passe en conséquence. C'est 31 milliards de gouttes supplémentaires, c'est création monétaire. Donc c'est 31 milliards de gouttes en plus qui partent dans la circulation, hein, que vous augmentez, vous mettez en circulation. Pendant ce temps, dollar va augmenter en termes de quantité. Donc ça veut dire que nous venons rendre gouttes la vie plus léger avec comportement ça au niveau de l'État, qui n'est pas jamais capable de gérer équilibré au niveau des finances publiques. Songez vous que vous avez un acteur qui met dame, qui malhonnête, qui remet serré les que vous avez acheté dollars, bon machin. Vous savez que est-ce qu'effectivement l'argent qui est injecté a servi cause économique? Est-ce que l'alimenté besoin réel en dollars que vous... Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne. Et toujours songez pour activer la cloche là.
les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babiz ap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.